Juliette et son papa de Doris Lauer aux éditions Lito. Aujourd'hui, maman est partie chez mamie et papy avec Pierre. Youpi! Juste mon papa et moi toute la journée, se dit Juliette ravie. Tu sais, papa, je m'habille toute seule depuis 10 ans. Regarde, je suis pas belle comme ça? Tu vois bien que je tire la langue mieux que toi. Alors c'est moi qui gagne au jeu des grimaces. D'accord, ma choupette. Mais au concours de danse, je suis le plus fort. Avec ton tcha-tcha-tcha, t'as aucune chance, papa. Une dernière touche à leur belle peinture et Juliette s'exclame « J'ai envie de crêpes à midi !» À vos ordres, mettons nos tabliers et au boulot. Miam ! Délicieuse avec du gruyère et de la confiture. Bravo, papa ! Tu es un grand chef ! L'après-midi, au parc, papa lui montre les grands arbres. Les chênes, les cèdres, les tilleuls. Juliette se dit « Waouh ! Il connaît tout, mon papa ! Encore plus haut ! Tu pourras aussi m'apprendre à grimper aux arbres comme les écureuils ? On fait la course ? 1, 2, 3, partez ! Youhou ! J'ai gagné ! Hein, que t'as pas triché ? À califourchon sur le dos de papa, elle s'écrie « Au galop, mon dada !» Mais le dada donne des ruades au lieu d'avancer et Juliette rit aux larmes. Pour le goûter, papa l'emmène au salon de thé. « On dit pas à maman que j'ai mangé 3 gâteaux, sinon on va se faire disputer. » « Motus et bouche cousue !» chuchote papa. Il est temps de rentrer. Juliette est fatiguée. Et hop, il la hisse sur son dos. Maintenant, il faut rassurer maman chez mamie. « Allô, maman ? Oui, oui, ça va. Ne t'inquiète pas, on s'est bien occupé et papa a été très sage. Après, on va s'amuser avec mon jeu de mémoire, même s'il n'a pas encore fait son bricolage. » Dis, papa, c'est grand comment, la tour Eiffel ? Dans les 320 mètres, pourquoi ? C'est tout ! Alors moi, je t'aime 1000 fois plus haut et plus fort que cette tour Kiki, parce que le meilleur papa du monde, c'est toi ! Envie d'une autre histoire ? Suivez-moi sur ma chaîne, soutenez-moi avec un j'aime.